Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti, probablement pour le dernier épisode d'Until Dawn, messieurs dames. On part avec Sam et Mike. Donc nous, on prend Sam de notre côté, on incarne Sam. Et donc du coup, pour résumer la dernière fois, alors j'ai même plus tout en tête de ce qu'on a fait, parce que comme c'est des épisodes d'une heure, ça dure longtemps, et du coup j'ai pas souvenir de tout. Mais on avait reparcouru le sanatorium avec Monsieur Mike. Et il nous est arrivé pas mal de galères. Et donc du coup j'ai trichoté un petit peu, effectivement. J'ai relancé la séquence pour éviter de perdre Mike. Car ça reste quand même un personnage important de tout le jeu. Et du coup ça m'aurait cassé un peu les bonbons de le perdre. Mais bon, après, écoutez, on a la possibilité de le faire. Je l'ai saisi. Et puis voilà, donc on sait tout maintenant sur les Wendigo. Alors on ne sait pas qui ils sont tous, puisqu'il y en a je ne sais pas combien, mais la plupart sont des mineurs, des anciens mineurs qui ont été sauvés d'un éboulis, et où ils sont restés bloqués pendant quelques temps. Et donc du coup il y en a qui ont crevé de faim, effectivement, et qui ont été envahis par le... comment ça s'appelle? L'esprit du Wendigo. Et donc du coup en se dévorant entre eux, en quelque sorte, en mangeant de la chair humaine, et eh bien donc du coup, ils se transforment en Wendigo, des créatures qui ne voient pas clair quand tu ne bouges pas, mais tout mouvement, et c'est la mort, avec des grosses griffes. Et donc du coup, voilà, donc on va terminer, on va essayer de regarder ce film, mais à mon avis, il va nous en manquer. Il y a de fortes chances parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas comment ils vont caser 9 totems là-dedans. Mais on verra bien. Et puis on regardera un petit peu tout ce qu'on a récupéré. Les cinématiques de fin. Puisqu'apparemment, sur une cinématique de fin, on est. Alors on est spoilé, oui et non. Mais on apprendra des choses sur le futur que nous n'avions pas eu à l'époque. Sur la première J'ai version. vraiment pas envie d'aller. Il n'y a pas d'autre chemin. Bah apparemment si. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Ah, ça a changé. On dirait une tombe. Montre de baisse. Dans le trou. Oh pardon, excusez-moi, je suis toujours là. Je me barre. Oh merde. C'est sa montre. Quoi? Laisse-moi voir. Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors c'est là qu'elle reposait. Ah, mais... qui l'a déterrée? Allez, continuons. Ok, Daniel. Donc, on a trouvé la tombe de Bess. D'ailleurs, on a retrouvé son corps aussi. Mais bon, ça c'est un détail. Donc on avait une histoire de totem avec la roue qui est devant nous. Alors, il faut descendre, Sam. Si tu permets. T'es mignonne, Très merci. bien. J'y vais. C'est bon, viens. C'est froid, hein. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh putain de merde! Je sens plus mes doigts! C'est vrai que c'est les doigts qui trempent. Je sais, continue à marcher. Ça va te réchauffer. Et tiens, sens bien. Non, laisse tomber. Ouf! Attends, bah, je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'était bon. Genre, y a pas de requin ou quoi que ce soit ici. Des requins? Génial. Mike part là-bas, j'ai bien envie de partir là. Il y avait un truc avec un totem où il faut remonter derrière la roue. Ah, ça caille sa mère, hein. Oh merde, c'est l'écriture d'Anna. Ma petite sœur, jour 1, ma petite sœur est morte. La chute l'a tuée, j'ai regardé son visage pâlir. Ma jambe est cassée, je suis toute seule coincée ici dans le corps de... avec le corps de Bess, pardon. Quelqu'un viendra bientôt. Jour 5, je n'ai jamais eu aussi faim. On dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Bess, j'ai bien plus chaud maintenant. Elle veille toujours sur moi. Jour Je suis 30. désolée, Bess, je n'ai pas le choix. C'est la seule façon. Pour que je puisse survivre maintenant.
si quelqu'un lit ça un jour. Je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Merde. Jour 33, mes mains sont sales. Jour 33, ça fait 33 jours que je me suis pas lavé. Mes mains sont sales, mes ongles sont tombés et ont repoussé. Bon, moi, ils sont tout neufs. Je souffre, mais je n'ai plus froid. Pas de douleur, je deviens plus forte. Jour 40, je sais plus écrire. Puis l'écriture se transforme en gribouillage. Donc vous avez compris. Mais si, tout s'explique. Mais oui, c'est clair. Je crois que... qu'Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non, c'est... Michael. C'est ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Et alors? Ça veut dire quoi? Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Kouftami. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde. Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. À force de sucer des cailloux, ben, elle avait faim, quoi. Évidemment. Serre-toi au revoir, Mike. Voldemort. Putain, ça existait pas non plus, ça, avant, Daniel. Et ils ont rien mis. Ok. Il y avait un totem ici avant. Il n'y a plus de totem. Je ne sais plus ce qu'il y avait, je me rappelle plus. Allez. Donc Anna a mangé Ibis. Pour ceux qui n'auraient pas compris avec ce qu'on vient de trouver. Et donc du coup, ça veut dire... Ça veut dire... que Anna est un des Wendigo. Ce qui serait logique. Ça veut dire que c'est la mort. Au tchétché. Ou la mort et tchétché en même temps. Ou la mort par tchétché. Ça continue. Ouais. Ok. Hey, ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Oh putain, Mike. Rien. Mike, serre-toi s'il te plaît. Mike. Casser les couilles au milieu, là, il veut pas se serrer, il prend toute la place, il prend tout le lit. Ben voilà. Ah, ça mouille, hein. L'eau, hein. Oh de Dieu. Attends, Daniel, deux fois. Oh, putain, c'est qu'il faut aller, Saras. Tu vas aller où, Mike? Oh la vache, bah, je l'aurais pas trouvé, hein. J'ai été curieux, mais... J'ai eu du nez, mais... Non. Putain. Hey, tu vas la chier? Ah, écran noir. Ah, c'est bon. Y'a des Wendigo dans le chalet! Ça sent l'oignon! Bon, on en a trouvé un. J'avais dit combien tout à l'heure? Je sais plus compter, c'est dingue. C'est dingue! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nous en manque, nom de bleu. Oh putain, et hey, tu le fais vraiment exprès, hein. C'est un truc de ouf. Ça, c'est le corps de notre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle a une sale tête, hein. C'est dégueulasse, ça. Ça, c'est un Wendigo. Tu vois ça? C'est le corps de notre ami au lance-flamme. Il a plus de lance-flamme. Et ça, c'est le corps de Jess. Ah non, c'est toujours le même corps. Oh, c'est pas vrai. Ah si, c'est le corps de Jess. Non, c'est pas le corps de Jess. Elle avait pas des rangers. Je vais être malade. Mais non. Attends. Minute. Je crois que j'ai vu quelque chose.
Non. Non, non, non. Non, 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 Josh, je t'obéis pas. Hey, Josh, t'as pas à me donner d'ordre. T'as plus à me donner d'ordre maintenant. Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Ok. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mike, qu'est-ce qu'il a ? Il est en plein délire. Josh ! Oh, calotte. Mike, Mike ! Josh ! Eh, hey, vieux ! Non, me frappe pas, me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant... des semaines, des mois. Elle a déterré Bess. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. On met ta crue. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Oh non. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Oh, quelle aisance pour la soulever, dis donc. Quelle femme. Allez, on y va, espèce de malade. Non, 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 on n'y va pas, espèce de malade. Il y a un trou. Le trou que je voulais aller voir depuis tout à l'heure. Daniel. Allez, Pouxette. T'étais pas obligé de me frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Le chalet qui brûle. On a pris ici. Est-ce qu'on se ferait pas un tour des totems par hasard? Parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas vu. Il y en a qui ont l'air de concorder avec d'autres. Il y a Josh qui veut pas se mettre dans le bon ordre. Dans le bon sens, abruti. Alors, en nouveauté, on avait... Bon, ça c'est le totem de fin. On a la vue du Wendigo. Ça c'est pareil. Ça c'est Jess. Papillon de lumière. Ça c'est Matt, on sait pas d'où il dérive. Ça c'est le chalet qui brûle qu'on vient de trouver. Okay. Bon, ça on l'a fait. Ça c'est le Wendigo dans le chalet. Ça c'est citron pressé. Ça on l'a fait, on est passé à côté, on a de la chance. Voilà ça, tu vois là. Ça. Et puis après, ça. Tu vois ce qui se passe. Il y a Mike qui allume un briquet et le chalet part en feu. Vous voyez. Alors attends. Attends, Maurice. Faut qu'on fasse le tour de tout, hein, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Et on n'a toujours pas le droit de courir. Bon, après, les phases où on a le droit de courir, ils font tout seul. Toi, t'as juste à te déplacer. Donc, ils ont vraiment limité le truc au fait que t'as juste à appuyer sur la touche Z. Et ne pas te tromper entre le QLD, bien entendu, mais ça, je n'y arrive pas, malheureusement. Il y a R ici. Ah si, il est là, le corps de Jess. Oh, c'est ça, là. Non. Ah si. Non. Là, ici. Alors si on avait perdu plus de monde, vous l'aurez compris, il y aurait plus de monde de pendus ici. Bon, ça après, c'est un détail. Arrête de criser, Michel. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je voulais pas. Je voulais pas que vous mouriez. Et moi j'ai le droit ou... non? Ah merci. Trop aimable. Tu vois, c'est froid. Ah et c'est surtout quand ça arrive au niveau des coucougnettes. Hein.
Ah oui, moi aussi je serais comme ça, je... Daniel. Et voilà où elle est, Anna. Je sais pas comment je réagirai à la place de Mike, mais je serais traumatisé à vie, je pense. Et nous retrouvons Matt. Matt Kamikaze. Pas du tout. Alors, que je vous explique. On va attendre qu'il reprenne ses esprits. Qu'on fait, Michel? On allume. Sortez les briquets. Ta-da! Écoute, hein. Et puis il l'a même laissé sur la table, Daniel. Alors que je vous explique, donc on avait ce totem de citron pressé, normalement c'était où la perte? Voilà, le citron pressé. Alors on n'a pas eu le droit à ça, et je peux vous expliquer pourquoi très facilement. En fait, si on n'avait pas trouvé le journal d'Anna, le Wendigo sortait, il pressait la tête de Josh, il était mort. Et comme on a trouvé le journal d'Anna, et ben ce qui s'est passé, c'est que Sam a commencé d'expliquer à Josh ce qui s'est passé. Et du coup, c'est grâce à ça que... alors, je trouve ça quand même curieux, le fait que, même si on n'avait pas trouvé ça, normalement, il aurait dû voir le tatouage sur l'épaule d'Anna, enfin du Wendigo. Mais si on n'avait pas trouvé ce journal, en gros, le Wendigo sortait, il écrasait la tête, c'était fini. Voilà. Donc on a sauvé Josh grâce au fait qu'on a, on a trouvé le journal d'Anna et elle a commencé un semblant d'explication. Oula. Elle a commencé un semblant d'explication. Qu'est-ce qui a pu provoquer cet éboulement? Ben moi, je peux te le dire. C'est Jess. Ok, alors là faut être vigilant. Je sais pas comment s'ils l'ont déplacé ou pas. Tu déconnes? Ah, j'ai eu peur. Allez, montre-moi. Ça sent l'oignon quand même dans le chalet. Hein. Un sacré chalet dans l'oignon. Un sacré oignon dans le chalet. Il y aura un gangbang. Bon, 6, si je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Et à mon avis, j'en ai loupé. Malheureusement. Ah oui, ils ont vraiment clôturé le truc en mode... Alors Matt ne sait absolument rien. Hein. Il sait pas que les Wendigo existent, il sait... Oh Dieu, j'ai eu peur. Il sait pas ce qui se passe, rien du tout. Hein. Ok. Je
crois que ça ne changeait rien, que tu te caches ou pas, parce qu'on va, tracer nos longs morts quand même. Ouais. Mais regarde-le surtout. Je pense que si on continue à courir, je sais pas ce qui serait passé. J'ai jamais eu l'occasion de continuer à courir. Bon, QTE et ça me fait stresser. En plus, ça lag. J'ai eu chaud. Non ! Non ! Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai chié dans mon benzaï. Je vais jamais y arriver, hein. C'est un truc de ouf, ça. Hein. Jusqu'au bout, ça va me casser les couilles. Mais on voit rien. Oh là 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 là, ça rase. Bah bon. Allez. J'ai caca culotte. Bon, alors je crois qu'on a deux passages en plus. On a deux passages. Mais s'ils ont pas enlevé. Oh, je me suis trompé. Non. Oh, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Je sais plus. Bah, vous savez comment... Alors, si je dis pas de conneries, comme je les ai jamais tous trouvés, auparavant, celui-ci était le dernier. Et là, il nous en manque. Une chier. Donc ça veut dire que soit ils en ont rajouté je ne sais où. Soit... soit j'ai vraiment cuté beaucoup, beaucoup. Et celui-là, ils l'ont enlevé. Et ça me casse le cul. Bon, je jette juste un dernier coup d'œil à droite, enfin là, au premier chemin. Mais je crains que qu'il l'ait enlevé. Du coup, avant, comme ça s'arrête à celui-ci, j'ai presque envie de vous montrer le film tout de suite, des fois qu'on puisse pas le revisionner après. Vous montrer ce que je peux vous montrer, ou sinon j'essaierai de le choper ailleurs pour vous le montrer. Pour vous le montrer plus tard. Avant, c'était là, quoi. Ou c'était plus bas et je confonds. Bon, dans le doute, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer ce qu'on a tout de même. Pas de regret comme ça. Il y a fort longtemps, mon grand-père chassait les créatures maudites. Mais une d'entre elles a pu le berner. La plus féroce. Malédiction. Ils étaient des dizaines d'hommes, sans nourriture, sans lumière. Et dans cette obscurité, la faim s'est faite sentir. Ils étaient rongés par cette atroce voracité. Et ils perdirent la tête, meurtriers, mangeant de la chair humaine. J'ai le menacé par le feu. Après plusieurs lunes et plusieurs traques,
insaisissable, hors de ma portée. Jusqu'à cette nuit, il y a un an, j'avais enfin réussi à la voir dans mon viseur. Mais nous n'étions pas seuls dans la forêt ce soir-là. Alors que je pistais le Macapichu, lui pistait quelque chose d'autre. Vos amis sont tombés de la falaise en essayant de le fuir. Je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas sauver vos amis. Mais je pouvais les venger. Voilà. Bon, on n'a pas tout. C'est dommage. Ah, ça me casse les pieds. J'essaierai de vous le choper pour le mettre à la fin de la vidéo. Alors, le Macapichu, c'est le Wendigo. Je sais pas pourquoi il a surnommé ça comme ça. D'ailleurs, c'est celui qui a... C'est celui qui a le lance-flamme qui parle. Le Macapichu. Et apparemment, le dernier était là, juste avant, mais... Il a disparu. À part s'ils l'ont mis au bord de l'eau, mes couilles au bord de l'eau. Ou alors ils ont rajouté une phase et... Et on va en trouver une tripotée d'un coup, mais j'y crois pas du tout. T'as le doigt scaillé. Le fiac. Il n'y a pas de passage, c'est loose. Ah, Daniel, oui. Ah. Oh putain, il y en a un là. Ah, ils en ont rajouté. Allez, bâtard. Donc, c'est pas fini. Ils en ont rajouté. Non, toujours pas. Bah, voilà. Le dernier totem de la du sang. Donc du coup, on a la vue d'Anna. Si vous en doutiez. Là, on a très bien pu voir que c'était la vue d'Anna. Étant donné qu'on étrangle la moitié de Josh. Et donc, cette catégorie-là n'était pas existante auparavant. Le Macapichu. Putain, on n'atterrissait pas là non plus. Alors. Oh, c'est la mort. C'est la mort. Ne te trompe pas, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'Aiden Pelletier elle meure. Hein. Oh putain, t'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Mets un coup de latte dans le carreau. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Il l'a eu. Merde, y a pas plus atroce que mort. Ça craint. Mais après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. D'accord, Daniel. Il reste peut-être quelqu'un. Ok, donc ça, on n'avait pas cette phase-là non plus. J'allais dire, après. Le chalet ne changeait pas, enfin en tout cas les indices ne changeaient pas dans le chalet. Entre un personnage et un autre. Mais ça c'était auparavant.
Et là, ça a l'air de changer. Ta gueule. J'imagine qu'ils sont au sous-sol. Ça, on a déjà vu, on s'en fout. Est-ce qu'ils en ont rajouté? Parce que c'est vrai qu'on a parcouru une fois le chalet avec quelqu'un au début, puis je me suis dit, voilà, bah comme ça c'est plié, je sais ce qu'il y a dans le chalet. Dans ma tête, je me suis dit, bon, bah j'ai déjà tout. Et en vrai, comme on l'a pas reparcouru avec Chris, la deuxième fois, si je dis pas de conneries, peut-être qu'ils avaient rajouté des totems à ce moment-là. Et du coup, j'ai pas eu la chance d'aller les chercher, puisque je croyais que une fois suffisait. Mais si ça se trouve, je dis complètement de la merde, une fois suffisait, et je m'entête à chercher des totems alors qu'il n'y en a plus à chercher. Mais bon, s'ils ont pas rajouté de séquence, à mon avis, c'était les derniers instants où on pouvait en choper, donc je vais faire le tour quand même. Ou alors ils ont rajouté des trucs, je sais pas. Après, et c'est ça qui est bien avec les redécouvertes du jeu. Ça, on a déjà vu, je crois. Tom, on voit rien avec sa lampe, c'est un truc de dingue. La viande des CRL, on l'a vu. Putain, c'est loose, quoi. Mais avant, on n'avait pas cette phase-là en rentrant dans le chalet, donc je suppute qu'ils ont dû faire quelque chose, quand même. Je ne veux pas descendre, j'ai peur d'enclencher la prochaine cinématique. Je vais aller faire le dessus, tant pis. Hein. Je suis désolé, on va faire une petite phase de recherche, tout de même. Après, le chalet, à ce niveau-là, n'est pas non plus gigantesque. Bon, il est gros, hein, quand même, mais... Mais il est pas non plus... Il fait pas 15 hectares. Alors après, elle voudrait bien marcher un peu plus vite, ça m'arrangerait, mais... Donc si j'ai loupé des totems, ça veut dire que j'ai loupé d'autres indices. Ah, je suis dégoûté. Bon, on le refera de toute façon. Est-ce qu'on aura tout à ce moment-là? Je ne pense pas non plus. Parce que... C'est chaud, hein, quand même. Il y avait déjà pas mal de bordel avant, et là, il y en a encore plus. C'est difficile. Ah, s'ils ont fermé... Voilà, c'est toujours des pièces en moins arbouillées. Putain, ils nous ont remis cette phase-là. Il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Après, peut-être pas au-dessus. Ils ont peut-être pas abusé, mais... Donc là, je ne sais plus ce que j'ai fait, puisque j'ai pas fait. Là, je l'ai pas fait. En tout cas, pas refait. Je l'avais pris, ça? Oui. Ça, je l'avais fait. Bon, bah, du coup, il nous manquera Jess. Alors, on peut encore en perdre, hein, je vous le dis. Et là, c'est quoi, ces baignoires? Ah, bah, on peut plus y aller. Sale bâtard. On peut plus y aller. Bon, bah, et au moins ça écourte la recherche. On va passer par la gauche. J'ai peur d'enclencher la cinématique suivante et que je loupe quelque chose. Donc, bon, je suis vraiment très chiant. Mais... Excusez, Wam. En tout cas, c'était un beau chalet. C'était parce qu'on a vu dans le totem que il allait cramer sa race. J'arrive, mon petit Mike, patiente. J'ai encore là-bas que j'ai pas fouillé. Et non. Bon, on a tapé un tour pour rien, mais au moins je suis fixé. Quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Cassez-vous! Allez! Faut dégager!
Il y a mis une calotte. En même temps, l'autre a voulu la tuer. On voit quand même que l'alpha c'est Anna. Hein. Donc il y a du gosse qui s'échappe, il regarde une lumière. Et l'interrupteur. Ils sont super bien refaits les Wendigo, putain, ils sont super chouettes. Enfin, ils sont laids quand même, mais... Bon, Chris se barre, du coup. Emily se barre. T'as les belles dents, tu sais. Ça m'a subi, hein. T'as toujours des belles dents, t'inquiète pas, ça va pas changer depuis 5 secondes. Ça. Anna, tu pues de la gueule. T'as de beaux yeux, tu sais. Ça m'a tué. Et voilà Daniel. Et juste avant que ça se finisse, donc on peut regarder ça, il nous en manque, hein. Putain. Il en manque 4 ici. Donc c'est le trophée, les machins, les trucs, les photos. Les petites photos des 4 là. La famille Washington. Anna en Amélie Mauresmo.
Les deux sœurs, la tombe de Bess, le médaillon. Ça, c'était l'affiche de Bess. Ça, c'est l'affiche d'Anna. Le téléphone de Bess. L'étui à lunettes d'Anna. La photo d'Anna. Du tatouage. La tête de Bess. La montre. Et du coup, le journal griffonné. Donc voilà, il nous en manque 4 ici. Ici, il nous en manque 1. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé avec les mineurs. Hein, donc la carte de la mine. Le masque. Le rapport administratif. Yes, je suis déjà venu dessus. L'appareil photo. Le rapport médical. La carte de pointage. Les cartes de pointage. Photo de sauvetage à la mine. Le vieux journal. La photo du mineur qui allait au cul d'ailleurs. Le rapport du médecin. Le cimetière improvisé. Les photos des mineurs. La machine de pointage. Le journal du morsure, de la morsure, certificat de décès, le journal combat, voilà, la tête du Wendigo, ça on a vu, ici le journal l'histoire du coup, l'étiquette nominative, télégramme à propos des mineurs, la chaise de contention, la carte postale romantique, ah oui, à salope, effectivement, le journal Kalimalisme, donc le journal du gars au lance-flammes. Le dossier d'étude du Wendigo, hein, jour 12, la tête de Juju quand elle se lève. Lettre de suicide. En suicide, oui et non, il s'est enfermé pour pas se faire bouffer, mais il est mort quand même. Elle a bien une bobine de film. Et l'homme mystérieux, donc le mec au lance-flamme, hein, Wanted, donc celui-ci. Le morceau de journal, le message chez le répondeur, le râtelier, le mégot de cigare, effectivement, les symboles mystiques. Le livre amérindien, la hache, la tête de gouris, la carte de visite, mur couvert de coupures. Alors, l'homme mystérieux, j'ai l'impression, ça je le savais pas non plus, j'ai l'impression que t'as Elga au lance-flammes et Josh, la boîte à cigares, l'aide sur la tribu amérindienne, l'aide de menace, donc ça je pense plutôt que c'est Josh, caméra cachée, donc c'est Josh, hein. Là, c'est Josh aussi. Le catalogue d'ampoule, c'est Josh. La batterie et minuterie, c'est Josh. Le cochon mort, c'est Josh. Ça, c'est Josh. Ça, c'est Josh aussi. Ça, c'est quoi? Rapport psychiatrique, donc ça, c'est l'autre. Ça, c'est pour l'autre. Ah non, c'était Josh. Ça, c'est Josh. Ça, c'est Josh. Et ça, je sais pas qui c'est. Donc voilà, et il nous en manque 2, 3, 4, 5, 6, l'enfer. L'effet papillon, donc c'est toutes les décisions qu'on a prises, alors en toute logique on les a, hein, c'est soit c'est par rapport à ce qu'on a fait, donc là c'est quand on a intervenu pour pousser le chariot avec Jess, ça c'est l'histoire du loup, enfin etc, on va pas tous regarder ceux-là. Et donc du coup le totem, donc on en a trouvé un de plus, mais il nous en manquera 5 finalement, l'enfer. Et donc du coup, voilà, alors j'essaierai si je peux en fin de vidéo de vous caser le film en entier, si je peux le retrouver. À la limite, si je peux pas avoir le nouveau, j'essaierai de vous obtenir l'ancien, celui de la première version. Donc voilà. Allez! Vous avez terminé une partie d'Until Dawn. Mais oui, Daniel. Merde! Non! Jessica! Non! Ça, c'est les morts. Hein. Le vieil homme, je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non! Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas! Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie.
et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica. Je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Mais j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Pourquoi avoir frappé Josh ? Il avait perdu les pédales et... Je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Oui, mais... D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas, il essayait de nous rendre fous. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe, je savais pas que c'était Josh, et en fait c'était lui le psychopathe, sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait tout fait si flingue au son. Où est Matt? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'ils ont fini de l'examiner? Je suis un peu inquiète parce que... Je veux dire, je suis sa copine. Oui, tu l'as fait beaucoup aussi. Est-ce qu'il vous l'a dit? Enfin, il m'en a peut-être un peu voulu pendant quelques minutes, oh, mais... Ah non. Il sait que je suis très attachée à lui. Il le sait. Il vous l'a dit, ça, non? J'ai pas été assez rapide. Il s'en est fallu d'un cheveu. Si j'avais pu aller... Juste un peu plus vite. Et savoir appuyer sur QED. J'aurais pu la sauver. J'aurais pu l'aider. Donc c'est ma faute. C'est ma faute, Idias est morte. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. De la mort, hein. Cherchez quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Et voilà, Daniel, on a fini le jeu. Alors, normalement, si je dis pas d'imbécilité, on va retrouver une nouvelle cinématique juste après qui existait déjà à l'époque. Et on est censé en voir une seconde qui n'existait pas à l'époque. Donc on va pas tarder de le savoir. En attendant, le jeu est toujours aussi kiffant. Bon, ils ont changé les bandes son. Ça casse un peu les couilles, si je puis me permettre. Parce que la bande son originale était vraiment sympa. Et cette musique-là n'a pas l'air d'être dingue. Mais bon, hey, ding 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 ding. Mais ouais, le jeu est toujours aussi kiffant. Ils ont rajouté une rangée de totems. Bon, malheureusement, à l'époque, il m'en manquait deux. Là, il m'en manque cinq. Mais on le refera. Je l'avais déjà dit. On va laisser un peu de temps couler. Comme ça, moins de souvenirs et tout. Mais on le refera. Et on essaiera de sauver tout le monde et de récupérer un maximum de choses. Et du coup, voilà. On va essayer de passer pour voir si on peut voir tout le reste. Ça serait sympa. Donc celle-ci existait déjà, voilà. Donc, je vous avais dit qu'il restait vivant, mais je vous ai pas dit dans quel... comment il allait faire. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Est-ce
que c'est. Oh merde! Reculez! Non, non, reculez! Voilà, il est toujours vivant, cela dit. On l'a sauvé lui aussi. Grâce à ce que je vous ai dit. Apparemment, elle prend des cachets, hein. Ça a l'air d'être violent, même. Effectivement, Sam, elle est pas bien du tout. Je suis debout. Je suis debout. Sam. Ah, effectivement, ça, c'est annonciateur d'un 2. Ouais, effectivement. Je comprends ce qu'ils ont voulu nous dire par rapport à ça, ceux qui essayaient de spoiler. Alors, est-ce qu'on en aura une deuxième? Parce qu'on on m'a parlé d'une deuxième aussi, mais j'y crois moyen. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est possible de refaire les épisodes. Voilà. Mais si on veut sauver Jess, il faut partir de... je sais plus quel chapitre, il faut tout retaper l'histoire. Voilà. Après, bon, bah voilà, hein, merde, les totems, quoi. On en a trouvé un de plus, mais deux de plus, même. Ah non, un, parce que là, j'avais regardé avant sans regarder le totem. Mais ouais, ah, je suis dégoûté de ce qui m'en manque. Donc, ça, c'est la bande-son, d'accord. Ça, c'est toujours bloqué, je ne sais pas pourquoi. Ah, on avait que ça avant. Un millier de pages, donc ça on l'avait pas eu, et ça j'ai déverrouillé aussi. Compositeur horrifique de mes couilles. Oui, alors ça c'est les, hein. Ils auraient pu laisser celle de base, elle était mieux, mais bon, peu importe. Et du coup, voilà, messieurs, dames, donc on va stopper. Si j'arrive à vous trouver le film entier, donc le contenu des totems entiers, je vous pose ça juste après la fin. Et si j'ai pas le nouveau, bah, je vous mettrai l'ancien qui est relativement le même. Hein. Voilà, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Mais il a l'air d'être plus long quand même, le nouveau. Mais bon, écoutez, je vais essayer de chercher. Et puis voilà. On laisse couler un peu de temps, messieurs, dames. Et on le refera. Je ne sais pas si on le refera en vidéo ou en live. Ça peut être rigolo en live aussi. Mais on essaiera de choper un maximum de choses. Et du coup, si ça spoil le 2, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte. Allez! Eh ben, on arrête là pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Des bisous. Ciao. Il y a fort longtemps, mon grand-père chassait les créatures maudites. Mais une d'entre elles a pu le berner. La plus féroce, le Macabichou. Une bête abominable. Et mon grand-père n'a pas réussi à la vaincre. Quelque temps plus tard, des prospecteurs sont venus exploiter cette montagne. Jusqu'à ce qu'un éboulement coince les mineurs et réveille la malédiction. Ils étaient des dizaines d'hommes sans nourriture, sans lumière. Et dans cette obscurité, la faim s'est faite sentir. Ils étaient rongés par cette atroce voracité. Et ils perdirent la tête. Meurtriers. Cannibales. Mangeant de la chair humaine. Et si on tue cette monstruosité, l'esprit relâché parcourt la montagne comme un vent maléfique à l'affût d'une nouvelle proie. Il est très dur à tuer, j'ai essayé. On peut seulement le piéger, le menacer par le feu. Après toutes ces années, après plusieurs lunes et plusieurs traques, le Macabichou était toujours en liberté. Insaisissable, hors de ma portée. Jusqu'à cette nuit, il y a un an, j'avais enfin réussi à la voir dans mon viseur. Mais nous n'étions pas seuls dans la forêt ce soir-là.
alors que je pistais le Maga Pichu. Lui pistait quelque chose d'autre. Vos amis sont tombés de la falaise en essayant de le fuir. Je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas sauver vos amis. Mais je pouvais les venger. J'ai pourchassé le Wendigo et je l'ai complètement brûlé. Le Maga Pichu était mort.